À l'abandon depuis 2010, propriété de la commune depuis 2012, l'édifice Art Nouveau au cœur de la cité lémanique doit renaître après des années d'oubli. Imaginé en 1903 comme un temple de l'eau par l'architecte Jean-Albert Hébrard, ce pavillon de bois et de verre est couvert d'une coupole à tuiles vernissées, ajourée de grands vitraux. Lieu de rencontre et de mondanité, la halle à la source disposait jadis d'un salon de lecture et de correspondance. À proximité de la source d'eau minérale à l'origine de la notoriété d'Évian, elle porte le nom de Gabriel Cachat, propriétaire du jardin dans lequel elle coulait à la fin du XVIIIe siècle. Ah, c'est un très beau chantier, parce que c'est une architecture rare. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de cette période-là et dans cette qualité-là. Donc c'est un chantier d'exception. Simplement, il faut apprendre à bien le connaître et à le comprendre, à l'aimer, et après ça, on saura comment restaurer. L'appel au mécénat populaire pour la restauration de la vieille dame, lancé au mois de novembre 2018 par la commune d'Évian, en partenariat avec la Fondation du patrimoine, se poursuit. Un soutien à la commune nécessaire afin de réouvrir l'édifice au public. Le coût des travaux de rénovation est à ce jour évalué à 7 millions d'euros. On restaure le symbole, puisque Évian rayonne dans le monde entier grâce à son eau et grâce à ce bâtiment aussi. Donc je pense que c'est important. Édifié à l'emplacement du premier établissement thermal de Fauconnet, la buvette de la source Cachat est l'un des trésors d'Évian. Elle porte l'histoire de la cité thermale, elle est encore aujourd'hui l'un de ses points de repère économique. Demain, la buvette Cachat pourrait devenir un espace d'exposition ou de séminaire, un lieu de rencontre et de partage.